Un certain Piccinini, François-Henri Désirable chez Gallimard. Voilà un jeune auteur, une génération d'auteurs très talentueux. La preuve en est, c'est son troisième livre, tous très réussis, tous très remarqués. Piccinini, c'est un personnage dont parle Romain Gary dans La promesse de l'aube, au chapitre 7, il me semble. Et l'auteur va partir en Pologne, à Vilnius, là où a habité Romain Gary, pour mener l'enquête et savoir qui est ce Piccinini, qui était un juif de l'époque, avec une période trouble historique dont il va beaucoup parler. Mais il y a beaucoup plus que ça dans ce livre. Il y a l'histoire de Romain Gary, un grand menteur. Il va mener cette histoire tambour battant, avec beaucoup d'humour, voilà, on s'esclaffe. Et puis voilà, l'histoire se déroule, il invente, il va chercher les renseignements, et aussi il parle de sa vie à lui. Donc c'est un peu inclassable, et en même temps c'est un vrai bonheur de lecture que je vous recommande vivement. Un certain monsieur Piccinini, François-Henri Désirable, chez Gallimard.